Caramella qui vous revient pour un retour de course bien varié. Je suis allée à Lidl de Sainte-Savine avec ma sœurette. J'ai rencontré deux abonnés. Je vous fais de gros bisous les filles. On s'était déjà vues aux noces de Saint-Paroux-Tertre il y a plusieurs mois maintenant. Et ensuite, on est allé à Leclerc, au Leclerc Drive et à Grandfray. Je vous montre tout ça. C'est parti. Allez, jingle mes chatons. C'est parti. Alors, je viens de déballer Leclerc parce que j'ai de la glace et je veux vite la mettre au congélateur. Pour Leclerc, je vais vous prendre le ticket. Ah bon, on va essayer de faire ça bien. Hein. Enfin, le mieux possible. J'en ai eu pour 14,97€. Pour arrondir au-dessus, j'en ai eu pour 15€. Je suis coiffée comme un as de pique. Donc, 15€ au Leclerc de Saint-Paroux-Tertre. C'est parti. J'ai acheté 4 baguettes, excusez-moi, c'est ma machine à glaçons. Donc en fait, on m'a posé la question, mes petites abonnées que j'ai vues à Leclerc, à Lidl Sainte-Savine. La machine, je l'ai achetée sur le site Pearl. Ah, c'est ça, Kidou ? Le site P-E-A-R-L ? Ça s'écrit P-E-A-R-L. Je l'ai payé 290€. C'est la Ice Maker. Comme ceci, voilà, elle filtre l'eau et elle fait des glaçons, voilà, et moi je la laisse brancher tout le temps, elle est comme ceci, voilà mes chatons. Donc il suffit de mettre, on m'a dit de faire une démonstration, les filles, vous appuyez sur water, ici, eau, l'eau coule, voilà, et là vous avez un gros bouton noir en dessous. Tac, vous appuyez et le glaçon tombe dans le verre. Voilà. Voilà, et là, elle refiltre l'eau du robinet. Et là, quand c'est rouge, eh ben, ça veut dire qu'il y a le bac à glaçons qui est plein. Voilà, et vous avez de l'eau fraîche à volonté avec des gros glaçons. Et vous pouvez choisir la taille des glaçons. Small, medium, large. Hein, je parle bien, hein, small, medium et large. Voilà mes filles, la démonstration est faite. Alors, donc, je reviens à mes moutons. Leclerc, Saint-Paroux-Tertre, j'en ai eu pour 14,97€. J'ai repris des biscottes pasquier sans sucre ajouté pour mon kidou pour le matin. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est bien celle-ci. Hein. Oups, mon micro est parti. Oui, c'est bien celle-là. Alors, les biscottes pasquier... je les ai eus à 1,60€ les 380 grammes. Ensuite, je reviens là, 4 baguettes tradition française, 95 centimes la baguette. Voilà, je vais les congeler, je vais en congeler 3 sur les 4. Je n'ai plus que 4 yaourts Activia au bifidus et au pruneau, du coup j'en ai repris 4. Les 4 yaourts Activia Pruneau, 125 grammes, 1,55€. Ça n'existe pas au pruneau sur le drive, c'est pour ça que je cours toujours en magasin à chaque fois. Là, c'est pour rigoler. J'ai acheté des glaces et de la pâte à tartiner Milka. Je prends la Milka et plus la comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ma pâte à tartiner préférée? Nutella. Je ne prends plus la Nutella parce qu'il y a de l'huile de palme dedans. La Milka, il n'y en a plus. Il n'y a pas d'huile de palme, donc je prends la Milka, elle est tout aussi bonne. J'ai pris le gros pot de 740 grammes. Le pot, je l'ai payé 4,65€, les 740 grammes. Et j'ai pris, je me chauffe une démonstration, on va rigoler. Combien? 250 ml peut-être. Ah non, 500 grammes de glace café de la marque Repère. Voilà, avec des billes de chocolat et café. Et j'ai pris 500 grammes de glace vanille de la marque Repère, vanille de Madagascar avec arôme naturel de vanille. C'est pour vous faire des glaces, mes chatons. Alors, je vais pas dire des glaces maison, mais je sais pas, celle de ma génération, je suis des années 70, début 70, il y avait des glaces qui s'appelaient les Pralinko. Est-ce que vous avez connu ça à prise unique? Prise unique, pareil, ça n'existe plus. Ah si, ça existe encore les prises uniques.
Ça existe encore les prises uniques? Ah oui, il y en a encore. Eh bien, il existait les glaces Pralinko. C'était une glace vanille tout en long et à l'intérieur, il y avait un bâton de pâte à tartiner congelé. C'était à tomber par terre, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois et ça a disparu. Et là, je vais essayer d'en refaire maison. Congeler la pâte à tartiner, bref, je vous montrerai ça à l'occasion. On va rigoler et je ferai goûter à ma sœurette et à Mokidou. Voilà, avant que je mange le pot Milka en entier. Allez, je mets tout ça au frais. Donc, on est déjà à 15 euros de magasin Leclerc. Je mets tout ça au frais et on continue le retour de course. Je m'égare. Allez, on continue pour le round numéro 2 du magasin Leclerc Drive. Hop, je mets mes sacs sur le côté. Oh là là, c'est le bazar. Tuc. Alors, après 18 euros de Leclerc Magasin, j'en ai eu pour 50 euros de Leclerc Drive. Vous allez voir, j'ai fait le plein de viande pour la semaine. Bah oui, hein, ça y est, hein. Il faut manger. Alors, pour faire des croque-monsieur maison, j'ai racheté 6 tranches de jambon blanc supérieur de la marque Leclerc avec 25% de sel en moins. Je vais faire cuire 8 tomates farcies. Voilà, toutes faites. Je ne me suis pas embêtée. Je vais juste aller mettre au four un peu d'huile d'olive, sel, poivre, petites herbes et c'est bon. Ensuite, je vais faire des escalopes de dinde à la crème avec des vrais champignons de Paris. Donc, j'ai acheté 1 kg de volaille d'origine de France, filet de poulet. Voilà. J'ai acheté également des cubes de filet de poulet. Je vais peut-être les congeler. Ouais, parce que ça, j'ai pris le kilo de volaille de... Il y en aura pour la semaine. Donc, je vais congeler mes cubes de filet de poulet, comme ça, si ce sera pour dépanner, s'il n'y a pas assez de manger pour la semaine, on verra bien. Voilà. Ensuite, j'ai repris de l'oméga 3 pour le matin pour mon kidou, le Net Envy de la marque Repair. De la même marque, j'ai repris notre beurre préféré, le beurre de Bretagne, les croisés. En 500 grammes, on l'adore. Pour faire mes escalopes à la crème, parce qu'il me reste plus qu'une ou deux petites crèmes, et j'en mets deux dans mes sauces. Ouais, mais là il y a un kilo de viande, je vais en mettre trois. J'ai repris les petites crèmes délices légères fluides. Voilà, je les prends en petit parce qu'il n'y a que ça sur le drive. On finit en nourriture. J'ai pris une petite boîte de champignons de Paris, mais là c'est pour dépanner pour mes viandes. Pour faire mes croque-monsieur, il n'y avait plus le pain de mie spécial croque-monsieur de la marque Leclerc. Donc j'ai pris le Harris, l'American Sandwich Nature. Voilà, il va jusqu'au 19 septembre. Ensuite, pour les apéros en famille, j'ai pris le paquet de chips familial. J'ai pris le petit paquet. Chips à l'ancienne nature, pommes lisses de la marque Repère, elles sont trop bonnes. Et les petits gâteaux préférés de mon papou, les crackers, c'est Mental, mais de la marque Repère, j'ai pas pris la marque chère, voilà. Et dans le drive, eh ben, la petite jeune fille qui a mis dans mon coffre, elle m'a dit, vous avez une petite bouteille de Lactel, de lait Lactel matin léger, facile à digérer, voilà, pour essayer, ben, c'est trop bien. Voilà, voilà. Et puis pour finir, hors alimentation, je me suis repris mes protège-slip préférés, les Always Delice Long Plus Extra Protect. Voilà, ils sont pas donnés, mais c'est mes préférés. Allez, je range le drive et je vous sors Lidl. Il veut toujours passer à côté de mes chaussures. Dans les 50 euros, je savais bien qu'il y avait quelque chose, ça faisait pas beaucoup. Hop, j'ai acheté un pack d'eau de cristalline pour mon kidou. Pour le travail, c'est plus pratique que les petites bouteilles en verre comme ça qu'on peut mettre au pied de notre lit pour la nuit. C'est trop lourd. Donc voilà, pour le travail sur les chantiers, un pack de cristalline d'un litre et demi. Et pour le matin, eh bien, il boit du lait avec son chocolat. Donc j'ai pris le lait d'ici. Au litre, c'est tellement cher. Parce que celui de la marque Repère n'était plus disponible, le lait demi-écrémé. Voilà mes chatons, vous savez tout. Allez, sur ce, ça y est, j'ai tout dit,
Je continue, je range et je vous sors Lidl. Allez, c'est parti, je viens de vider tout ce qui était Lidl Sainte-Savine. Encore gros bisous les filles, trop heureuse de vous avoir croisé avec ma sœurette. Alors, j'en ai eu pour 14 euros, exactement 13,39 €. Je vous allez voir, il n'y a pas grand-chose, mais franchement, les prix là-bas, ça vaut vraiment le coup également. Alors, pour 14 euros, j'ai pris du raisin d'Italie. Le raisin, il est à 99 centimes le kilo. J'ai 1,718 € kilo de raisin. Et il a l'air trop bon. Ensuite, j'ai pris une barquette de champignons, de 500 grammes de champignons de Paris, pour faire avec mes escalopes de poulet crème fraîche. Et là, j'ai envie de faire une bonne sauce avec des champignons de Paris maison. Les petits champignons de Paris, 2,29 € les 500 grammes. Ça va, mais il va falloir que je les fasse demain. De toute façon, je les fais demain. Là, vous ne les voyez pas, mais je vais les congeler. Je vais en laisser un sorti. Je sais pas. Deux pains de campagne. Voilà, il n'y avait plus grand-chose en pain. C'était vide. De toute façon, je voulais du pain de campagne ou du pain rustique. Voilà, donc deux pains de campagne, ils étaient tout chauds. Ensuite, pour mettre dans mes sauces, au lieu de mettre de l'eau, ça va être meilleur, j'ai pris un gros bidon d'un litre et demi de vin blanc. Voilà, de vin blanc d'Espagne, mais moi c'est pour faire mes sauces, donc pas la peine d'avoir un vin blanc hyper de bonne table. Alors, vin de table blanc, 1,99 € le litre et demi. Voilà, donc parce que je voulais prendre en petite bouteille, vous savez, par petite bouteille de 6, et c'était 3,89 €. Donc ça revient moins cher comme ça. Et ça sera pour mes sauces, ce sera meilleur. J'ai repris nos petits déodorants, ça y est, on est fan. Le déodorant orange, c'est pour mon kidou. Hop, j'essaie de tenir le micro. C'est le dry, voilà. C'est 79 centimes le déo, et ils sont très bien. Mon kidou, alors je lui prends l'orange, il l'adore, le dry pour homme, protection 48 heures, antitranspirant sans alcool, et je crois qu'il est sans aluminium, à confirmer. Et alors ils sont vraiment l'homme. Et puis moi, j'ai essayé toute la semaine le bleu, l'aqua, alors c'est pour homme aussi, mais ils sont très frais et je sens pas la transpiration. Et le soir, je mets le mince. Vous savez ce que je prends d'habitude, les mots ne me viennent plus. Donc là en ce moment, je vais transférer mes habitudes sur les produits Sienne. Et d'habitude, je prends également de la marque Repair, ma crème dépilatoire. Et bien là, je vais tester la crème dépilatoire peau sensible de la marque Sienne, la marque Lidl. C'est vegan, sans microplastique. Tolérance cutanée testée, voilà, peau sensible. Et vous avez aussi pour peau normale, je vais y arriver, et le packaging est rose. Vous pouvez faire les jambes, le maillot, les aisselles, voilà, impeccable. Il y a combien? C'est un tube de 200 ml. Et je vous dirai ça ultérieurement. Allez, je range Lidl, donc je suis très contente de mes petits achats Lidl. Allez, dernière roue, mes chatons, c'est parti pour grand frais. Grand frais, alors comme vous voyez, j'ai fait le plein de fruits quand même. Hein. Le raisin, là il y a encore 1 kg de brugnons et quelques prunes. Là, il y a des oranges. Mon kidou a emmené 1 kg de brugnons au travail. Donc, j'ai pas pris trop de choses à grand frais. En plus, là, j'ai pris près de 2 kg de raisin. Voilà, 99 centimes le kilo, franchement c'est pas cher, et il est très bon, bien de goûter. J'ai pris pour 12 euros de fruits à grands frais. Vous allez voir, les prix sont raisonnables également. Alors, j'ai refait le plein de brugnons, moi j'adore ça, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, que ce soit plus la saison, j'en mangerai. Donc, le kilo de brugnons, la barquette, c'est 2,50 €, et ils sont pas mauvais. Il y a eu meilleurs, mais ils sont pas mauvais.
Il y avait des reines Claude, j'en ai profité, les reines Claude 2,99 le kilo. Pareil, franchement, ça vaut le coup parce que les Mirabelles, elles ont pris 1 euro. Oui, messieurs, dames, elles sont à 5 euros le kilo. Là, j'en ai pas pris des Mirabelles. J'adore ça, mais pourquoi ils ont augmenté de 5 kilos, de 5 d'un euro, de 5. Parce que il y en a, soi-disant que cette année, il y en a à foison dans les récoltes. Donc non. Donc là, les reines Claude, ça va remplacer. Je vais peut-être les faire cuire en tarte, je sais pas, je crois qu'il me reste une pâte à tarte. Je vais voir ou les manger comme ça, je ne sais pas. Donc 2,99 le kilo, c'est pas cher. Et j'ai repris 4 oranges. Les oranges à dessert, 2,99 le kilo. J'ai quand même 4,34 d'oranges. Mais bon, 2,99, c'est le prix le plus cher de mes fruits. Ça vaut vraiment le coup. Donc je vous dis, si je trouve une pâte à tarte dans mon congélateur, je vais fouiller dans le bazar, et bien je ferai une tarte à la reine Claude à suivre. Voilà mes chatons, et ben le retour de cours, je me retourne, j'ai chaud, est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et puis, si vous ne voulez pas rater mes retours de course, mes weekly vlogs, mes recettes, ma petite vie avec mon kidou, ma sœurette, etc., eh ben abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et puis, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, mes chatons. Enfin, si mon contenu et ma personnalité vous plaisent, hein, bien sûr. Mais c'est gratuit. Je voulais vous le dire. Voilà mes chatons. Et bien encore gros bisous. Encore gros bisous aux deux filles que j'ai croisées à Lidl. Merci. Et puis ben, je vous dis à très vite. Hein, parce que le retour de course, ben, c'est toutes les semaines. Oui. Et oui, c'est varié. Hein. Ouais. Des reines Claude. J'adore ça.